Alors à Ribemont-sur-Ancre, on a plusieurs activités hein, qui sont le développement autour des grands publics de la connaissance de l'archéologie, la présentation des métiers de l'archéologie, la présentation du site archéologique de Ribemont-sur-Ancre. Mais on a aussi une activité un petit peu particulière que l'on appelle le laboratoire et consiste à soigner des objets archéologiques qui ont été découverts par des archéologues. Et donc on a tout un process, on a tout un équipement qui permet de pouvoir stabiliser, de conserver le matériel métallique qui a été trouvé par les archéologues sur tout le territoire national. On a une des plus grandes capacités de traitement sur tout le territoire national, mais aussi on est le seul laboratoire de traitement métallique qui est intégré au sein d'un centre de conservation et d'études. Ce qui fait qu'on a à la fois on a la maîtrise du parcours de l'objet complet, qui est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, puisqu'on peut à la fois l'héberger, l'étudier et même le valoriser.